Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Projecto Zone 2, le Reloaded, le retour. J'espère que tu vas bien avec épée. Et on n'est pas tranquille sur ce modpack, c'est toujours autant le bordel au niveau des mobs. Il va falloir très rapidement, effectivement, qu'on agrandisse notre base ou en souterrain ou peu importe la solution, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, on se fait violer littéralement. Tu veux qu'on habite dans le Nether? Oh, t'es chaud quand même, parce que dans le Nether, quand j'y suis allé pour récupérer un peu de Netherrack, à peine rentré dedans, il y avait quoi, 3-4 pigmen, ils me sont tombés dessus et ils m'ont tapé direct. Ouais, c'est ça. Pas Tiens, pourquoi ils étaient, je sais pas pourquoi ils étaient mat d'ailleurs, hein. Non, je sais pas non plus. Je t'invite à ouvrir ton livre de quête et tu vas voir quelque chose d'important. Ah ouais, attends, je ramasse juste ça, comme ça me permet de voir au niveau de mon compte où est-ce que j'en suis pour le Cock Oven. Non mais ils sont sérieux ces araignées? Ah bah oui, c'est Ok. la des blooms. Ah oui, exact. Alors, tu m'as dit, il faut que je regarde. Alors, il y a des trucs qui... Oh, mais t'as tout fait? Oui, j'ai tout fait d'un coup. Épée, quand il y va, il y va. Il fait pas semblant, tu vois. Bim! Ah bah après c'est mort hein, donc bon. Voilà. Ah, GG, franchement, j'ai même pas suivi. J'ai pas vu que t'avais balancé autant. Vas-y. À mon Pas de avis, pute. ça comment ça pop sur les arbres en fait les mobs. Il y a de fortes chances, il y a de fortes, fortes chances, ouais. Bah en tout cas, GG, hein, parce que là, le knapsack, ça c'est pratique, mais je crois qu'il nous faut du cuir, peut-être. Oui. Mais ouais, GG, bah en fait, on a tous les castes, donc on peut se faire tout et n'importe quoi. Le cleaver, le je sais pas quoi. Cool. Alors attends, bah dans ce cas-là, ça va être session. Session reward bag, en espérant qu'on ait des trucs quand même plus ou moins cool. En tout cas, des trucs qui vont nous aider. Alors, je confirme bien que ça pop sur les arbres. Ah, c'est tombé. Allez, go! Parce que en Belt fait, il y a of des troncs. Waterworking. Non, 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 non. Oh! Et tu sais ce que je viens d'avoir? Non, mais... Illuminated Panel et des Emi Dense Cable, Emi Glass Cable et Emi Smart Cable. Ah, c'est sympa pour commencer, tiens. Bah, carrément, 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 carrément. J'ai encore eu un bouquin cooking bullshit là. Ah mais il manque des. En fait il manque des plaques sur le mur. C'est pour ça. Cosmétique. Bable sur une amulette. Bah vas-y, fais péter, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes que les araignées puissent monter en fait. Ah non, ça c'est trop horrible. Et attends, ça se met à la place du... J'ai récupéré des oreilles. J'ai récupéré des oreilles de chat. Ah ça y est, je les ai équipées. Oh non, c'est trop... Mais ça sert à rien en fait, donc Ça te ok, va mais bien. tiens, regarde, regarde, regarde. C'est vrai que ça te va bien, hein? Puis... Ouais, mais en fait, non, on va l'enlever tout de suite. J'ai eu Fortune Cookie, ça sert à quoi? Rien du tout. D'accord, je m'attendais à un truc un peu badass, hein. Fortune Cookie, je me dis, ok, c'est cool, il y a du loot, il y a du bonus, il y a du. Non. Je suis déception, je te le dis. Ah, mais ces blades, je vais les défoncer. Dès que j'ai un arc, je le fais. Salut. Pff, vivement qu'on puisse faire quelque chose sur le stockage, ça devient critical. On est d'accord, ça devient très très critique. Non. Deux comme un con, c'est pas grave. Et du coup, bam 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 bam, on range tout ça. Et donc, alors moi j'avais pas mal de clés, du coup j'avais bien avancé à ce niveau-là. J'en ai mis à cuire. Hop, donc j'en ai 32 et du coup je vais pouvoir faire le cock oven. Alors le cock oven, quand on balance du coal dedans, ça va donner du cock cool. Et le Ah, j'en ai cock. marre de ces araignées. Et le cock cool de mémoire, c'est ce qui permet après derrière de récupérer du steel, c'est ça? Dans le truc de immersive. Oui. Je crois, hein. Allez, vas-y, brûlez tous. Oh, uncommon look. Vas-y, loot bag. Charcoal, une armure en diamant. Yes! Et trois underpearls. Et franchement, ça déboîte. Ouais, ça va, c'est tranquille. Pour moi, je suis en train d'un petit peu crever avec tout le monde. Bon, je te laisse te débrouiller.
Oh putain, ça fait quoi? Ça fait 10 fois que je remonte là-haut. Alors. Voilà, on est protégé, il n'y aura plus d'araignées. Ah, ça c'est cool. Et je crois qu'il m'en faut. Il m'en faut encore un hein, de mémoire. Il m'en faut peu pour être heureux. Toi, tu balances tout à la poubelle. Ah ouais, voilà, cool, des underperles. Oh, des raids à l'œil. 60, je crois que c'est largement suffisant. On va commencer à préparer un petit peu tout ce merdier là. Oui, parce que des bacs, j'en ai beaucoup. Être à l'extérieur. Et ensuite ici. Ah, du lapis. Nice. Curretto. Ok, et le sable, c'était quoi déjà le processus? Non, non, on en a du sable en fait. En stock. C'est de la dust. Non, du sable aussi? Ouais, on en a, on en a. Bon, bah ça va. Ok, je crois que j'ai déjà ce qui me... Oh yes! Alors après, question, est-ce que le cook oven, est-ce que on le met en place ou pas? Bah ça pourrait. De toute façon, je pense que rapidement, il va nous demander de passer après sur du Blast Furnace et tout le bordel. Donc 13 x 2, ça fait 26, il m'en faut 27. Donc hop, faut 14. Ça va, tu sais compter? T'as vu ça un petit peu? C'est Waouh. parce que moi, je suis un foufou! Ok, tu peux valider la quête sur le Cook Oven, c'est fait. Ah, Ok. et du coup, on récupère des Bottles of Creosote Oil. Donc c'est ce qui va nous permettre de crafter après le windmill. Le truc de flotte et tout le bordel, effectivement. Ouais, treated wood, c'est ça. Donc de toute façon, il faut qu'on le mette en place pour commencer à avoir du chrysoote, voilà quoi. Ouais, du crésote. Voilà. C'est plus simple. Dans ce cas-là, je vais le setup. Est-ce qu'on a un tank quelque part pour pouvoir récupérer ça, justement, le liquide ou pas? On peut faire un tank si on a Bullcraft, mais ça m'étonnerait. Sinon, celui de thermal, c'est cool. Je vais regarder. Il s'appelle Tank tout court? Non, ça c'est Buildcraft. Si, Buildcraft Factory. Ah bah on l'a. Ouais, bah du coup c'est easy quoi, non? Oh, j'ai Ou des lily tu pads. préfères qu'on fasse le Portable Tank de Thermal Expansion ou pas? Ouais, comme ça on pourra le porter. Ouais, et Celui de Bullcraft. on pourra l'upgrade aussi. C'est pas con. Ouais, parce que le truc de Bullcraft, du coup, tu perds. Bah du coup il me faut du copper, please. Alors du Bah. Moi non. a pas de copper. Livre de cooking, deuxième livre de cooking et un flux hammer. Oh, cool. Bon, j'ai pas gagné de bonus, c'est pas grave. Tac. Ah mais j'ai un reward bag, je sais pas d'où il sort. Lily pad of fertility. Oh! On dit pas de fertility. C'est énorme ça! Ah, si tu le dis. Énorme. Déjà, ça te permet de crafter les grosses pulseurs. Et Ah. en plus de ça, je crois que c'est très 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 chiant à avoir slash crafter de base. Et ça te permet de booster à donf bah, tes cultures quand tu plantes. Donc ah mais on en avait déjà trois. Bon après c'est peut-être de base. Je crois que c'est pas si simple que ça à avoir. Donc et je vois Allons. qu'on en avait déjà. Donc ok, j'ai rien dit. Je repars la tête basse. Voilà. Et puis moi je vais faire les wooden spikes, hein, ce qu'on voulait faire Ouais, vas-y, 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 depuis un vas-y. petit bail d'ailleurs. Vas-y, épée, fais péter. Ouais. Et il nous reste du sable quelque part, ce serait bien d'en faire cuire parce que j'aurai besoin de glace. Time to Bon. strike. Bon, GG. Et le GG. Pourquoi ça marche pas? Bon, bah, on n'est pas trop mal parce que du coup, là, il m'en faut 4. Par contre, ce truc-là, il va falloir que je le relie à des pipes. Hein? Il Quelle va me falloir pipe? des conduits pour pouvoir récupérer le liquide dans le tank. Ah, oui, oui. On a des conduits qu'on a eu dans un reward bag ou Alors je dirais que oui, mais je sais pas où. Voilà. Bon, bah j'ai des wooden spikes. Yeah. Après, je sais, au stade où on en est, je sais pas ce qu'on peut éventuellement crafter en fait, hein. Elle est bonne cette blague. Dans un bac, j'ai eu des chance cubes. Mais j'en ai eu 7. Alors pour se faire une bonne session, hein, parce que ça va péter, je vous le dis moi. Voilà. Bon, bien sûr, on le fait très loin, mais oui.
Ah, on n'a pas déjà des pipes quelque part là? Il va falloir en faire. Ouais, mais à ce stade-là, je sais pas ce qu'on peut faire. Je regarde si on en a eu quand même, mais j'ai l'impression qu'on a eu que dalle. Sinon, je suis passé devant et il y a tellement d'items en mode bordel que. Non, c'est pas vrai. Que voilà quoi. Alors, pif, pif, pouf, pif. Team Portable Tank. Eh ouais, c'est comme ça que ça marche. Ok, et du coup, ça, on va pouvoir le faire. Mon marteau d'immersif, j'en ai fait quoi? Il est là. Comme ça, on va faire le truc. Alors, je vais regarder rapidement. Tu penses que c'est quoi le mieux à faire? Les pipes d'Under.io, je pense qu'ils sont méga chers. Oui, en plus il faut l'alloy donc on l'aura pas. Ouais, il me faut le conduit de binder, donc c'est mort. Fais les pipes de thermal. Quoique. C'est deux copper et une glace, je crois. Et moi, il me faut du liquide, donc c'est les. Item duct. Fluid duct. Fluid duct, ouais. Mais je le tape toujours comme un cochon. Je me merde. Ah. Je crois que c'est ça, attends. Attends, on va faire ça. Fluid. Fluid duct. Ah bah non, c'est bon, c'est aussi simple que ça en fait. Ok, nice. Tempérette. Tempérette. Ok, ouais. Super laminar. Ok, donc c'est deux copper et un de glace. Ah ouais, c'est ce que j'avais dit Ouais, du c'est coup. ça. Ouais. Donc effectivement, c'est easy. Ça va, je connais bien les crafts. Ouais, GG. À force de faire du modé. Oui. Nyeh. Bah, j'avouerais qu'après, selon les modpacks, ça dépend à quelle vitesse tu. Merde. Ça dépend à quelle vitesse tu peux avancer, mais selon les modpacks, en fait, tu peux vite te retrouver à faire. Bah, tout de suite plus puissant que du thermal en termes de pipe, en fait, quoi. Et bah, ceux d'Under.io, je dis pas que tu peux les faire de suite, mais ça peut aller vite, hein. Les ceux de base sont pas forcément méga coûteux non plus, Oh bah non, c'est sûr. hein. 4, Donc, 6, 7, 8, 9. Oh cool, magnifique. et il me faut un glace, j'ai dit, j'ai stocké ça. Hop, hop. Non. Yay, ok. Nickel, nickel. Maintenant. Pas grave. Hop. 3. C'est magnifique. Hop. Ok, c'est comme ça. Ensuite, le petit marteau. Twing! Oh, c'est beau bébé! le mec qui compte en faire oui! Oui. Et ensuite, le petit pipe, le petit truc. Il va pas me falloir des cerveaux par hasard? Oh, c'est possible. Oh, je suis trop magnifique. Bonjour. Attends, on a un speed de boost ou quoi? J'ai l'impression de sauter de 150 blocs de haut, quoi. T'es où? C'est quoi ça? C'est un artefact du mode artefact et ça me permet d'avoir water breathing pendant Et illimité. un œil un œil derrière la tête, on dirait. Ah oui. Ok, alors le Cockoven, ça y est, il est là. Par contre, je pense que ici, dans le tank, on va rien récupérer. À mon avis, il y a de fortes chances qu'on ait besoin de cerveau. Mais je t'avouerais que là, dans l'immédiat, On a besoin d'un cerveau. on a un buffer de 12 millibuckets. Donc en fait, pour avancer. On peut même l'utiliser via le seau, hein, pour le vider. Ben c'est pour ça, donc. Mais bon, je voulais déjà tout de suite prévoir éventuellement de grosses quantités, mais je crois que là. Ok, on va pas forcément s'embêter. Et Treated Wood, je crois que c'est assez pété à faire. Voilà, ça je fais fondre, comme ça c'est tranquille. Holy shit. Et des planques avec juste un truc. Bon bah ok, facile. Ah, il m'en faut 64, bande de cochons. Ah ouais. Oh, ça coûte cher. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. Ça coûte méga cher. Oui, bah non. J'en ai 24. Ah ouais. Oui, bah non, bah non, bah non. Ouais, forcément.
Oui, bah alors non, hein? Fuck you. L'impression qu'il y a des problèmes de refresh là. Non, quoique, dans une glass bottle, ça contient combien, tiens? Parce que un seau, c'est 1000. Bah, une glass bottle aussi, c'est 1000. Ah, c'est pour ça qu'il me donne rien. Le problème, c'est que ce truc-là, je crois que tu peux pas mettre d'upgrade et la vitesse est vraiment pourrie, quoi. Oui, c'est très long. C'est pour ça qu'il existe Ah. hors chez Rhino des fois. Ah, mais ça c'est énorme comme truc, c'est le truc qui t'influe sur les tics sur un périmètre en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est puissant ça quand même. Attends, va. Mais je suis pas sûr qu'on l'ait, hein. Torcherino. Interdiction torch, c'est pas ça. Non, y a pas, y a pas. Y a pas parce que j'avoue, tu mets ça à côté, bon, c'est bon, on n'en parle même plus quoi. Ouais, bah oui, c'est pour ça du coup. Ça aurait été magique, ça aurait été magique. Bon, bah c'est pas grave, allez. En tout cas, pour l'instant, le Cokeoven, il est mis. Il va me falloir du bois traité, forcément. Et bien évidemment, en cascade, là, il va me demander le Blast Furnace, la roue, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de scoop. Ok. Knap, on va regarder ça pendant qu'il tourne. C'est vrai que c'est long quand même à faire. Ah bah non, mais le knapsack, effectivement, c'est mort parce qu'il nous. Vu le cuir qu'il faut, Il en faut combien? bah il en faut 6. Je crois qu'on en a un petit peu quelque part, mais on avait que dalle en cuir. Et puis j'avais Oui. regardé comment l'obtenir. Je crois j'ai fait. C'est quoi ce Ouais, dans ce truc? cas-là, faut commencer du Botania et mettre de la rotten flèche dedans, quoi. C'est quoi ce truc? Quoi? J'ai activé un truc. C'est quoi ça? C'est une whips de Aether. Et t'as pas peur que le truc il nous rase, t'as pas peur que le truc il nous rase la map? Bah c'est bien possible. Genre salut, vous m'avez invoqué, bim, allez sous. Mais en fait je crois qu'il va plus chasser des mobs qu'autre chose. Par contre ça peut être une bonne nouvelle. Alors après s'il pouvait ramasser les loots derrière, ça serait encore mieux, hein, mais ça c'est un autre débat. Hey, tu veux pas aller dehors toi? Du cuir en fait j'en trouve même pas. Je crois que je pensais qu'on en avait un petit peu. À mon avis on en a même pas, tu vois. Non, tu veux pas. Oups. C'est toi qui casse tout là! Ouais, c'est pour qu'il aille dehors. Délinquant! Non, c'est l'autre côté qu'il faut aller. Allez. Il va m'en falloir quand même pas mal. Je vais regarder si j'ai encore. Attends, on va mettre ça là-dedans. Hop! Bon, bah, j'ai pas l'impression, hein, donc. Oups. Encore un ici. Je me suis trompé. Tu pas les mobs? Non, non, mais je me regarde en face de toi. Bah, en face de moi. C'est qui a posé ça? C'est moi, j'ai misclick. Non, t'es pas sérieux. Mais tu cherches la merde, avoue-le. Oups. Bah écoute, c'est pas grave, hein. En fait, tant qu'on clique pas dessus, c'est pas grave, on est d'accord. Une fois que tu cliques dessus, c'est mort. Voilà. On fait péter toute notre base, quoi, en fait. Bah, à peu près ça. Et attends. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Je crois que bientôt là, quand on va pouvoir un petit peu refaire toute notre base, ça sera pas du luxe. Allez, bon bref, pendant que le chrysote là se crée là, on peut pas faire grand chose, on va laisser tourner. Donc il nous fallait en priorité, donc enfin en priorité, pour avancer, il nous faut du diamant. On n'a pas. Il nous faut du cuir. On n'a pas. Sauf si tu me dis que commencer Botania. Ah mais attends, Gamma, il y a plein de quêtes unclaimed, t'as fait plein de trucs, hein. Ah, mais t'as déjà fait les pics? Tu Oui, les spikes, je les ai fait. les as installés ou pas? Non. Tiens, si tu veux t'amuser. Trashcan, ouais, c'est pratique. Trashcan version fluide, parfait. Et il nous reste quoi? La trashcan version énergie et gold spikes. Ok. Bon, bah écoute, cool, t'as bien avancé. Tu m'as donné quoi? La version énergie est faite. Elle est faite? Ouais. Ah bah, GG. Oh, j'ai des spectres de Mais là c'est glace. pareil, il va nous refalloir du diamant. Il nous faut du diamant, ok. Il nous faut du diamant. T'es chaud pour nous faire des outils pour qu'on puisse dans le Nether miner le diamant? Oui, qu'est-ce qu'il faut pour miner du diamant? Invisible bedrock, j'ai eu.
Ah, très bien. vais pas la poser. Ore processing upgrade, ça c'est très pratique. Engineer workbench, revolver drum, ouais. Fuel efficiency upgrade, merci. Oh, il y a un truc sympa Ah. dans la session numéro 8. Theta. Dans la quoi? Dans la 8. Ah, on a débloqué Theta? Oui. Donc, qui est du monde de Rev Oh. Tools. Très intéressant. Nice. Et en plus, la Glowstone, potentiellement, il nous en faut 14, mais il y a moyen de la récupérer. C'est Cool. sûr. Et en plus, tu sais quoi, franchement, ça ferait du bien de faire un petit peu d'explo, parce que vu qu'il nous demande de faire le portail pour l'Aether, c'est vrai que Ouais. ça peut être vraiment agréable. Alors Donc. moi j'ai eu des upgrades. Donc normalement les upgrades je peux le mettre dans le Gold Furnace, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Alors c'est parti. Fuel Efficiency Upgrade and Ore Processing Upgrade qu'on a eu en mode gratos. Merci. Ça, c'est pratique. Ouais, carrément, carrément, comme ça on accélère et on améliore tout ça. Tiens, je sais pas si tu en as ou pas, moi j'en ai déjà une. Tiens, hop, c'est une belt. Ah, ça sert à quoi? Falling, donc je pense que c'est un espèce de Feather Falling ou un truc comme ça, de mémoire. Enfin, peut-être. Ah, c'est pour sauter plus haut. Ah bah attends, voilà, tu vois si tu veux le garder. Moi j'en ai déjà un qui fait je sais plus quoi. Oui, si, augmente le Ah, speed. c'est lui qui permet d'augmenter tout seul les blocs. Ah! Alors t'es en train de me dire que la belt que j'ai, speed, c'est elle qui me permet de monter de bloc. Ok. Voilà. Nice. Oh, c'est pratique. Tout ce qui est Iron Spike et tout ce que tu m'as filé, je pense qu'on va le faire après parce que si on peut pas récupérer les loots, ça sert à rien. Oui, pour l'instant, ça sert vraiment à rien. Qu'est-ce qui pourrait être avantageux de le prendre? Quand on Ouais. était dans le Nether, on n'avait pas accès sur l'extérieur parce que du coup, pour avoir les 14 de Glowstone, ça va être compliqué à choper. Il me stresse là ton truc là, le Flitting Wisp là. Oui, moi aussi, mais j'arrive pas à le buter. Ah si. Bon. Bon bah voilà. Hein. Si ça se trouve, on a fait la connerie de l'année. C'était le truc à pas faire. Et on l'a fait. Mais c'est pas grave, fuck you. Il commence à me stresser à être à côté. Ah ouais, non, laisse tomber. Glowstone, on en a 15. On en a 15, c'est largement pas sufficiente. Il nous en faut 14. Bah voilà, c'est Bah, de quoi suffisant. faire le portail en fait, hein? Le portail de quoi? De l'Aether? Ah bon, c'est comme ça? Bah, Bah ouais, moi mec! je connais pas le mode, hein, donc Bah, ouais, mec! Et en plus de ça, après, je te dis, ça va être un petit peu d'explo et tout. Non, ça va te déboîter, ça va être trop cool. Tu sais, la whips que tu as butée, elle est revenue à la vie. Non, mais t'es sérieux? Ouais, elle est à côté de moi. À mon avis, c'est mon ange gardien. Alors, pour quelque chose, mais c'est mon ange gardien. Attends, je vois pas où tu es par contre. Sur le toit. Ouais, d'accord. Ah ouais, il est revenu. Bah attends, on va regarder un truc, hein, d'accord? Est-ce que c'est vraiment ton ange gardien? Aïe! Ah bah non, tu vois. Il me fouette. Et non, c'est pas ton ange gardien. Bon bah c'est de la merde ce truc hein. Hop. Bon je te fais une pioche en fer. Ah, elle est faite ou pas? Ouais elle est faite. Ah bah dans ce cas-là, ça te dit on va récupérer du diamant. Hein? me faut une forge évoluée. Ah, évoluer. Oh, on a pas mal de fer, hein, ceci dit. Oui. Oh merde. Le Golden Spike, il est pas si simple que ça. Ah ouais, non, il est costaud. Ok. Forge évoluée, tu me disais? Ouais, je suis en train de la faire. T'es en train de la faire? Parce Mais que même. dans ce cas-là, si tu fais la forge évoluée, derrière on va pouvoir vite avancer, genre le four version diamant, les upgrades de four on va pouvoir les faire, bah, la table d'enchant on peut la faire cash, on peut bien avancer quoi, sachant qu'en attendant le cock oven, il est où? Lui il est en train de process logiquement tranquille. Faudrait que tu me fasses, si possible, la cirée de briques. Il m'en faudrait 3 cubes. Donc il faut du Groot. On regarde si on en a plus déjà, si on en a encore, je veux dire. Je vais regarder parce que je crois qu'on en avait quelque part, mais je suis pas sûr. Cirette brique, ici non. Ici non plus. Ah, j'avais cru en voir quelque part à un moment donné. Ça se trouve, je suis passé devant, de toute façon. Alors, une chose qui est sympa à savoir, c'est que la Falling Belt, ce que tu m'as donné, elle ne fait pas de dégâts de chute. Ah, ouais, ça me paraît logique, vu le nom du truc.
Voilà. Ah, ciré de brique, t'en faut 3? Oui. Non, mais 3 cubes comme ça. Bah, 12 du coup. Il t'en faut 12. Bah ouais. Allez hop, vas-y, allez, tiens, tiens, tiens. Ah, magnifique. Allez, va crafter, fais-nous une belle pioche là, histoire que. Tout le Pas la choix. ruée vers l'or là, mais c'est la ruée vers les diamants là. C'est ça. Table de craft. Touk. Magnifique. Tiens, je t'invite à faire ta pioche. Oh yes, merci. Allez, encore un de créosote oil là et je vais pouvoir valider le truc. Ça c'est cool. Et ça fera une source d'énergie supplémentaire d'ailleurs. Donc c'était. Enfin c'est pas c'était, c'est une pioche. Forcément et l'inverse. Iron pickaxe. J'avais une bonne. Ok. Bah vas-y, c'est parti, on avait trouvé un peu de diamant, donc allons récupérer ça. Tiens, je t'invite à prendre la. Bon, d'accord. À Je te prendre retrouve. quoi? Une pomme en diamant au cas où. Je te l'amène. Ça pourrait te sauver la vie au Qu'est-ce qui cas pourrait me où. sauver? C'est quoi qui pourrait me sauver la vie? J'ai pas compris. La pomme en diamant que je t'ai mis de. Bah, tu t'es barré. Mais ouais, non, moi je suis un foufou, moi. Osmium, je sais pas si ça vaut le coup de ramasser ça tout de suite ou à la limite on fait ça au fur et à mesure. Ça évite de faire une trop grosse session tryhard. Ah, harvestable, no. Non, je peux pas ramasser le diamant. Qu'est-ce qu'il faut Fuck. pour l'upgrade? Je m'en rappelle jamais. Harvest level, redstone. Fuck. Je crois que l'iron, il faut la. Salut. Faut la level up. Ah, mais je peux pas. Harvestable, non, non plus. Je peux pas ramasser l'osmium. Vous êtes sérieux, les mecs? Level tin, ouais. Bah, il faut en fait miner un petit peu avec la pioche pour qu'elle devienne un level au-dessus. Pour qu'elle level up? Bon, bah écoute, on fera ça dans ce cas-là. Ouais, Par un petit contre, peu. l'iron, on peut la miner. Ouais. Bon, bah, du coup, t'es parti pour où? Du coup, je suis au niveau de l'entrée. Je ramasse Ah. 2-3 trucs. Pff, Alors, mais bon. tu feras attention avec les mobs, sachant que ils sont énervés quand on va miner du Mais copper. ça c'est nouveau ça. Non, c'est le mode Nether Ore. D'accord, mais la dernière fois on a ramassé plein de trucs, on s'est pas du tout fait violer. Ouais, mais ça doit être pour ça justement que les pigmen t'ont attaqué quand t'es Ah, quand j'ai rentré. passé, ouais. Saleté de pigmen. Oui, je confirme, je les entends bien. Alors, je sais pas où qu'ils sont. En plus, ils sont pas notifiés sur la map. Même le tin, je peux pas le ramasser avec ma iron. Ouais, c'est pour ça. Bon bah c'est pas grave. Hein. Bon bah écoutez, hein, je pense que là de toute façon les amis, on va devoir se faire une petite session level up. Oh, je suis qu'à 10% avec ce que j'ai ramassé. Ok. Bon bah c'est pas grave. On va devoir se faire une petite session level up très certainement. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là pour cet épisode. Ya ya ya. Voilà, on a quand même pu avancer sur quelques petits trucs, ce qui est plutôt cool. Tiens, à la limite, je vais aller voir si pendant qu'on est dans le Nether, ça avance dans l'Overworld ou pas? Oui, c'est John Claudet. Ok, allez, viens. Hop, on y va très rapidement. Comme ça permet de valider la quête avec le bois traité. Avoir un aperçu sur l'étape d'après. Hop. Et puis, bah, du coup, on sera tout bon. On sera tout bon. La pomme que tu m'as filée, il faudra que que je te la rende, du coup, parce que j'en ai plus besoin. Un garde-log, ça peut te servir un jour. Ok. Genre, au cas où, si tu me tapes par exemple. Je comprends pas ce que tu veux dire. Allez, va valider la quête traité de wood. Et Ah du oui. coup, prochaine étape, blast brick, effectivement. Hein, donc c'est pour la production de steel, donc c'est le blast furnace. Et ensuite, water wheel, il nous en faut 3. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir produire de l'énergie avec ça. Effectivement. Et on produit de l'énergie juste avec de l'eau, donc c'est quand même super pratique parce qu'il n'y a pas à alimenter ou quoi que ce soit. À partir du moment où ton truc il est fait correctement, Bah, il bah tourne. derrière on est bien quoi. Voilà, je t'ai passé des gros pulsars, j'en ai reçu 12. Ouais, je les ai dans mon inventaire. Ouais. Ok, nickel. Bon bah écoute, épée, je te dis à la prochaine. À la Merci prochaine. à vous d'avoir regardé, puis à bientôt. Ciao, Chou chou. ciao. Chou chou. C'est où la quête?